Yo YouTube, ici Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de boosters. J'en ai vraiment énormément, j'en ai reçu plein là. Il y a quelques mois c'était la crise, je n'avais rien du tout, c'était vraiment le bordel. Et aujourd'hui je viens de tout recevoir et de rentrer chez moi. Et j'ai eu envie pour annoncer la vidéo de Noël de vous faire partager tous les boosters que j'ai. Donc c'est parti, écoutez bien et ouvrez vos yeux. C'est parti pour admirer les boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Des boosters ex-Ruby Saphir en FR scellé. Donc, très joli, hein, franchement, j'en suis très content. Ils sont très beaux et ça fait plaisir vu que c'est des boosters introuvables quand même. Donc voilà, des boosters ex-Ruby Saphir. Qu'en dites-vous? Ils sont beaux quand même. Bon, allez, on passe à la deuxième série. Ensuite, nous avons des boosters ex-légendes oubliées. Une seconde. Voilà. C'est la petite lampe qui fait du bruit, hein. Faut pas s'y attarder. Donc, je disais, bah, des boosters ex-légendes oubliées, bien sûr, en français scellé. Donc, ils sont aussi très très jolis. J'en suis très content aussi. Voilà, voilà. Donc, je vous montre vraiment tous les boosters que j'ai. Donc là, c'était les ex-légendes oubliées et les ex-Ruby Saphir. Passons à la série d'après. Nous passons à la série Ex-Deoxys en FR scellé également. Donc franchement je suis sur mon petit nuage, ils sont juste vraiment tous magnifiques. J'en suis vraiment très très heureux. Donc le Ex-Deoxys, la normale, le Roi Quetzal et aussi le Deoxys en forme vitesse il me semble. Ou forme attaque, je sais pas trop. Mais bon, donc voilà, j'ai aussi une dizaine de boosters Ex-Deoxys. Passons à la série au-dessus désormais, alors elle est un peu loin, les boosters ex-Phantomolon en FR scellé également. Oui, j'ai eu quand même pas mal de séries scellées, donc je vous laisse les admirer. Hein. Cavitops, très joli, et mon préféré, le booster Léviator. Tous en FR scellé, de très 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 beaux boosters. Donc voilà, je vais d'abord vous présenter tous les boosters ex que j'avais reçus dernièrement. J'en suis vraiment très très fier, ils sont très jolis et très beaux. Mais ce n'est pas terminé, donc je vais décaler un peu les boosters ex que j'en ai oubliés pour laisser de la place et vous présenter vraiment tout ce que j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre de côté? On est dans les séries ex. Alors, et ben, on va vous présenter aussi des boosters ex-force cachés pendant qu'on y est. Donc j'en ai 3, malheureusement il me manque l'illustration Reiku, c'est dommage, sinon bah, j'aurais également les 4 illustrations. Donc oui, à noter que tous les boosters ex que je vous ai montrés là autour, ils sont tous scellés français, mais vraiment neufs quoi, les boosters n'ont aucune micro-rayure, c'est vraiment magnifique, j'ai chopé une super affaire, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Et donc j'en suis vraiment très heureux, hein. Je suis sur mon petit nuage, je plane. Donc c'est vraiment pour tout vous présenter. Donc là, 3 boosters ex-force cachés. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste encore dans la collection? 2 boosters S-Gardien de Cristal scellés. Donc c'est les 2 qui me restaient de ma display que j'avais pas encore ouvert. J'attends d'en avoir 2 autres pour vous faire également une vidéo. Donc voilà pour les S-Gardien de Cristal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah le dernier, celui-là, le survivant de la série Ex-Aquamagma. J'en avais quand même beaucoup au début. Et maintenant, il m'en reste plus qu'un. Donc un booster Ex-Aquamagma. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Qu'est-ce que je peux vous présenter? Bon, on part dans le bloc Wizards. Il me reste 2 boosters Jungle Edition 2 qui sont scellés. Enfin, tout est français scellé de toute façon. Hein. Tout ce que je vais vous présenter, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais donc, un insécateur et un Pyroli. Donc, bah, très sympa, très belle série également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celui-là, il est joli aussi. Un booster Neo Genesis Alligator. Bon, c'est le seul de la série que j'ai. Je vais essayer de trouver les 3 autres pour peut-être un jour vous faire une vidéo d'ouverture. Donc voilà, un magnifique Neo Genesis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là là, c'est vraiment le bordel. J'ai vraiment trop de boosters. Alors, on a quoi ensuite? On a bah, du set de base en édition. Hein. Il me reste uniquement 3 boosters. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des illustrations différentes. Du coup, je pourrais vous les ouvrir en une vidéo. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais peut-être que ce sera celle-là, une des prochaines vidéos. Donc voilà pour les sets de base. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on a encore du set de base, mais cette fois en édition 2. Donc j'ai pas le Tortank et le Dracofeu. A noter que l'édition 2 en set de base est bien plus rare que l'édition 1. Donc tant que j'ai pas les 3 boosters, j'en ouvrirai pas. Et je sais même pas si je les ouvrirai.
Parce que vu que j'ai les destroyers qui sont un peu plus importantes, j'avoue que c'est plutôt cela qu'il faut ouvrir. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre avant de vous présenter ma meilleure pièce? Je vais vous présenter que j'ai également quelques tripacks appel de légende scellés. Donc j'en ai deux. Donc deux tripacks appel de légende qui feront peut-être une prochaine vidéo. Ils font plaisir. Alors après on va passer au display. Qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben j'ai une display appel de légende scellée. Donc elle est presque mine, il y a juste sur le dessus où elle est un petit peu enfoncée. Mais sinon elle est vraiment en superbe état, j'en suis très fier et c'est une de mes pièces préférées. Très joli display. Ensuite on a quoi? Bah, tellement qu'on a de choses, on a une très belle pièce aussi. Une display Neo Discovery, donc scellée, en français bien entendu. Ça je pense que c'est ma plus grosse pièce que j'ai durant tout ce que je vais vous montrer. Enfin, derrière tout ce que je vous ai montré parce qu'on va arriver à la fin quand même au bout d'un moment. Donc une display Neo Discovery scellée que j'avais eu grâce à Dark of Feu 022, franchement je le remercie, c'est vraiment, ça m'a vraiment fait très plaisir et elle est vraiment super belle. Donc voilà pour la display Neo, et maintenant le meilleur du meilleur, la plus belle pièce que j'ai acquérie cette dernière semaine, ce sont des boosters Neo Destiny en scellé FR. Donc ils sont neufs également comme les ex-Deoxys et tous les autres que vous avez pu voir. Ils sont très très jolis, très beaux. Donc Noirfang, Togetic, encore un Togetic, encore un Togetic, et malheureusement encore un Noirfang. J'ai pas réussi, il avait pas les deux autres malheureusement, l'acheteur, enfin le vendeur qui les vendait. Et donc, c'est dommage, sinon j'aurais pu vous présenter les 4 illustrations. Notez que ce sont vraiment les boosters les plus rares de tous les boosters Pokémon. C'est vraiment le best du best, et c'est vraiment ma meilleure pièce. Bon, ils sont pas édition 1, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on peut pas avoir non plus la cerise de la cerise. Hein. Donc franchement, j'en suis très fier, et voilà vraiment tous les boosters que je viens vous présenter. C'est vraiment un peu le bordel sur mon lit, mais j'en suis vraiment très fier. Donc cette vidéo avait également un but, c'était de vous permettre de choisir la vidéo de Noël. Car effectivement, c'est pas mon but de me vanter de ce que j'ai. Au contraire, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai parce que j'en suis tellement fier que j'ai envie de le faire partager avec vous. Franchement, je suis heureux d'avoir tout ça. Et je veux que vous choisissiez donc la vidéo de Noël. Ce sera votre vidéo et la mienne au passage. Et donc, que voulez-vous? Je vous offre le choix de choisir la série que vous voulez ouvrir. Bien entendu, rêvez pas, ce sera pas Neo Destiny. Mais donc, vous pouvez choisir entre les rubis saphir, donc ceux que je vous ai montrés au début, donc 4 illustrations différentes, ou alors les ex-légendes oubliées que j'ai mis de côté, là, un peu par là, enfin bon, j'ai les 4 illustrations, je vous les ai montrées au début, ou alors la série ex-Deoxys, avec, n'oubliez pas, le Rayquaza Star, le Latios et le Latias, donc qui sait, peut-être qu'on en aura une, mais bon, faut pas trop pousser non plus, et au-dessus, la série Phantom Alone. Donc je vous laisse 4 possibilités, Phantom Alone, Ex-Deoxys, Ruby Saphir, Légendes Oubliées, ou aussi peut-être si vous en avez envie, du set de base en édition 1, pourquoi pas. Bien sûr, pas de display, faut pas trop pousser non plus, hein. Et donc, et ben, choisissez, vous mettez en commentaire la série, donc un seul commentaire par personne, et la série que vous souhaitez ouvrir, je l'ouvrirai ben, le jour de Noël, enfin, j'essaierai de faire la vidéo pour le 25. Donc, et ben, à vos claviers, saisissez le nom de la série, un vote par personne, et le plus, celle qui aura le plus de votes sera la vidéo de Noël. D'ailleurs, je voulais vous informer que je fais un remaking complet de toute ma chaîne, background, logo, je vais revoir mes playlists, je vais faire un nouveau fond pour les vidéos, il va y avoir un nouvel iPhone qui va arriver, c'est mon cadeau de Noël, donc la vidéo d'ouverture sera vraiment très très belle. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pas vous faire une nouvelle vidéo d'ouverture, car j'attends d'avoir le meilleur iPhone pour une meilleure qualité vidéo. Ça va vraiment être super la vidéo de Noël. Et aussi un petit nouveau concept lors de la vidéo. Enfin vraiment plein de nouveautés. Et donc c'est pourquoi je vais vous laisser choisir tout ça avec un peu de repos. Je vous dis donc... je vous dis donc à quand c'est quand Noël. C'est mardi. Donc je vous dis donc à mardi pour une vidéo vraiment énorme. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de voter, c'est quand même le but de la vidéo en soi. Et je vous dis donc à mardi. Allez, passez de bonnes fêtes et à très bientôt.